C'est directeur exécutif KIPA Mosler George qui t'a détaillé proposition calendrier. Document prévoit un premier tour qui a fait le 9 août 2015 pour élire 20 sénateurs et 118 députés. Calendrier mettait deuxième tour élection législative pour 25 octobre, même date pour déroulement premier tour élection présidentielle ensemble avec élection pour collectivité territoriale. Deuxième tour présidentiel, si toutefois tu as nécessité pour ça, tu as dû faire 27 décembre, toujours d'après proposition calendrier Conseil électoral provisoire. Période campagne électorale là lui-même, c'est sorti 19 juin pour arriver 18 juillet. Plusieurs responsables politiques te prennent la parole pour critiquer en bloc proposition KIPA et puis balayer quelques idées pour le porter correction. En pile dans l'intervention, tu es passé prendre question Bedak Bekyo, responsable politique pensé qui t'est formé dans Magouille. Youn là-dedans, c'est ancien député Gonaïve là, Sadrak Dieudonné qui t'est représenté Mokrena. Un processus électoral en Haïti, il commence véritablement par le recrutement des membres des becs et des bêtes. Becs et bêtes, c'est faire de lance, conseil électoral là, machine électorale là, c'est moteur, machine électorale là. Si becs et bêtes, pas crédible, pas d'élection crédible. Même si nous prenons tout le monde haïtien, vous mettez dans le CEB, bec et bec, pardon, quel que soit l'effort, livré à l'échec. Nous comprenons très mal le CEB qui dit nous, il va réévaluer ou bien évaluer bec et bec qui contestent seulement. Au processus électoral, pour le crédible, il faut que les acteurs aient participé dans le processus là du commencement à la fin. Est-ce que acteurs, nous-mêmes les partis politiques, nous avons participé dans le processus de désignation, mon bec et bec, l'homme dit participer, ça va signifier pour nous proposer mon nom, mais il faut que nous débranchions l'élection pour nous suivre, nous observer, nous critiquer. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont branché l'élection. C'est un peu qui est parti, il n'a pas fait, il n'y a pas de gens qui ont occupé. Parce que nous-mêmes, dans le parti politique, nous te connaissons, le jour où c'est un peu s'accraser, tout ça nous fait écraser tout. Si c'est un peu à tes crédits, pour qui ça se va aller organiser l'élection aujourd'hui? Je vais parler de CEP précédent. C'est deux CEP ou bien CEP, mais pas de gens qui sont là. Organe électoral là. Si il était crédible, c'est lui-même aujourd'hui qui t'a payé pour organiser l'élection. C'est parce que pas crédible, tout le monde courit, Charles Baridel, l'écrasé, qu'on y a nous monté en notre CEP. Comment CEP tout neuf ça, qu'a fait dit bon, c'est avec bec et bête que CEP de Chuya t'est monté, c'est avec lui qu'on va organiser l'élection. Jean-Jésus dit, c'est comme souvent, on mousse aux toiles usées, ou à coller sur un mousse aux toiles neuf.